Vous êtes-vous déjà demandé si votre maison était tentée? Esprit, cauchemar ou démon, Gary's School et moi avons été engagés pour enquêter sur plusieurs terrains. Dans cette vidéo, nous allons vous faire part de nos expériences. Thomas Taylor! Thomas Taylor! Thomas Taylor! M'entendez-vous? Putain! Il a allumé la lumière derrière moi! C'est vrai? Viens vite, viens! J'arrive, j'arrive! La lumière. Je cours, 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 cours! Thomas Taylor! Oh. Putain, il fait un bruit de... Ah, c'est horrible, c'est horrible! Ah, putain, il fait trop flipper! Oh, oh, mais putain, il y a une ombre! Il est sur la photo! Je suis allé sur la photo, il est dégueulasse! Putain. Carole, Davis, êtes-vous dans cette pièce? Pouvez-vous allumer la lumière? Est-ce que vous êtes là? Putain, niveau d'activité 10. Carole Davis, êtes-vous ici avec moi? Il y a le téléphone qui sonne. Est-ce que c'est vous? Vas-y, si tu mets toutes les preuves... Pour... C'est toi qui l'as fermé pour que je crève. Carole Davis. Peut-être que... Ah quoi? Mais il y a eu un bruit. T'as entendu? Mais prends pas des photos pour rien. Bah, désolé, mais elle était là. Hein. T'as pas entendu? Carole Davis. Rien entendu. Putain. Carole Davis. J'ai vu quelqu'un, j'ai vu quelqu'un. J'ai vu quelqu'un. Je sais pas. T'es où? T'es mort? T'es mort? What? Oh, t'as la tête coupée en plus. Bon, je vais allumer toutes les lumières, je m'en fous. Ah d'accord, ouais, on peut pas. Elle a écrit des trucs. C'est Satan. Découvrez quel type de fantôme nous avons à faire. Avoir un membre de votre équipe assister à un événement. Prenez une photo du fantôme. Prenez une photo de l'eau sale dans un évier. Alors j'ai fait quelques recherches supplémentaires pour vous. On dirait que le fantôme est de Daniel Thompson. Ah, il répond à tout le monde. Ok. Ok. Daniel Thompson. Eh ben vas-y, faut. Faut aller le défendre. Eh ben oui, le petit Daniel. Daniel. Ça me rassure, n'empêche d'avoir la lampe torche. Ah bah moi d'avoir le crucifix, ça me rassure. Ça c'est ça qui me rassure. Bonjour, Daniel Thompson. Daniel Thompson. Bonjour Daniel. Bonsoir, êtes-vous ici avec nous ce soir? Daniel Thompson. Daniel. Oh putain, 8 degrés, ouh j'ai 7 degrés là. Ah, dans la buanderie t'avais 7 degrés? Ah oui. Ouais j'ai 7 degrés sur un pan de mur. Ok. Sous l'escalier. Daniel Thompson. Ah oui. Attends, vas-y, vise vers l'endroit. Par là. Là? Oh, 6 degrés. Ah oui, 6 degrés, là, par là. Ah. Daniel Thompson. Oh putain, c'était super froid, là. 4 degrés, j'ai eu. Ah, il est parti. Ok, il était là, c'est sûr. Ça. Tu veux que je pose la caméra ici? Ou est-ce que j'attends de voir si on l'a pas dans une pièce? Je pense qu'il est dans le couloir. Daniel Thompson. Est-ce que vous êtes avec nous? Je vais aller chercher le... la radio. Daniel! M'entendez-vous? Ah, j'ai vu une orbe. Dans c'est le grenier. Watch. Ah ouais, le grenier, là, franchement, j'ai des frissons partout, là. Ouf. Daniel Thompson! Manifestez-vous! Pouvez-vous nous parler? Daniel Thompson? Il était en bas. L'orbe, elle est peut-être allée en haut, mais... Ouais. Pour moi, c'est sûr qu'il est en bas. Daniel Thompson? Pour moi, il est là, dans la buanderie, là. Quel est votre nom? Putain, la radio en haut! Est-ce que c'est vous? En tout cas, il est gentil, lui. C'est pas la même radio, c'est pas la même radio. Ah ouais? Ah. Il est là, en bas. Ah. Daniel Thompson? Daniel Thompson, pouvez-vous nous parler? Il est là. Parlez-nous. Daniel Thompson.
Où êtes-vous? Il te parle pas dans la radio? Je le vois, il est derrière toi. Il est derrière toi. Putain, je l'ai pris en photo. Ok. On s'en va. Vas-y, on se casse. Il était dégueulasse. Ah, il était dégueulasse. Il avait un manche et tout là, je sais pas ce qu'il foutait. Oh putain. Ah, il était horrible. Ah ouais, il avait un truc et tout pour nous buter. Oh, mais dégueulasse. Oh. Ouais, il est horrible. Température glaciale, orbe. Et après, preuve 3, tu vois, EMF, on l'a pas eu. Spirit Box non plus, les empreintes non. Bah... Ouais, c'est ça, en fait. On n'a pas eu grand-chose de plus, hein. Ah, tu l'as posé, le livre, ou pas? Non. Bah non, vas-y, je te Ah, vas-y, ouais, je vais le faire. Davis Thompson? Il s'appelle Davis? Il s'appelle pas Daniel? Bah, il me semble. Davis? Daniel? Pierrot. Non, il s'appelle... Quel que soit votre nom. Il s'appelle Daniel. Vas-y, je vais laisser le livre. Je le mets où? Ici? Non, en bas, où on l'a vu, je pense. Ok. Daniel. Mais après, il s'amuse un peu partout, là, avec nous, hein, parce que... Oui, c'est vrai qu'il va partout, ouais. Nous vous avons mis un livre. N'hésitez pas à écrire sur ce livre pour parler avec nous. Nous voulons échanger avec vous, Daniel Thompson. Nous vous invitons à écrire sur ce livre que je pose Daniel. Ici, devant moi. Daniel Thompson. Si vous êtes ici avec moi dans cette pièce... Je vous invite à venir ici avec moi dans cette pièce. Cette baraque de merde. N'hésitez pas à vous rapprocher de moi. Daniel Thompson. J'ai peur. Est-ce que vous êtes là? Je dis tout ça, mais j'ai peur. Hein. Ah 4-4-4. Je suis toute seule, je vais mourir. Quoi, il est où? Je vais mourir. La porte est fermée. Il est où? La porte est fermée, j'arrive pas à sortir. Ok, c'est bon, j'arrive à sortir. Je sors, il va me bêter la gueule. Au secours, la porte est fermée, je vais mourir. La porte est fermée, tu m'ouvres pas. Je vais mourir. Mais je te laisse crever, moi. Je suis mort. Daniel Thompson, montrez-vous. Je vais vous ramener auprès de Dieu. Le Dieu Tout-Puissant. N'essayez pas de m'impressionner avec votre tête. Je vous attends, Daniel Thompson. Daniel, Montrez-vous, Daniel. Je ne rigolerai pas avec vous. Je vais vous renvoyer d'où vous venez. Daniel. Je vous entends. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Daniel, repartez d'où vous venez, Daniel. Daniel, il est plus fou que vous. Venez là, Daniel. Je suis protégé par les esprits du Seigneur. Les anges, plutôt. Franchement, t'as failli crever là, hein. Mais le crucifix, il t'a sauvé, je crois, hein. Vraiment. Mais oui. Oh, c'était. Et ce jeu est complètement ah ouf. Ah ouais, hein. Franchement, ce jeu est complètement ouf. Oh non, c'était un cauchemar. C'est un cauchemar. Mais franchement, trop stylé le jeu. Franchement, les amis, j'ai kiffé. Ah, mais ouais, c'est trop bien. Trop bien. Là, je serais prête à continuer encore et encore. Eh ben, on va s'arrêter là pour t'un. Ah, d'accord.